Coucou tout le monde, comment ça va? Moi ça va super bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo donc avec un colis. Donc on va redécouvrir ce qu'il y a dedans. Donc soit s'il y a un iPhone X ou soit si c'est un prank. Donc si vous voulez savoir ce qu'il y a dans le colis, donc let's go. En fait, j'ai vu des vidéos de Loan, de Tiffen et de Kélia. Donc, ils ont acheté en fait un téléphone Apple iPhone X. Donc, moi, j'en voulais un aussi. Donc, je vais le faire en cachette. Donc, voilà. Donc, je suis sur la tablette de mon papa. Donc, on va aller sur Google. iPhone X. Voici les informations relatives au produit iPhone X. Donc, il a l'air pas mal, donc je regardais quelques petites photos. Ouais, il est pas mal, hein. Ouais, donc je vais le prendre. Donc, sélectionner. Donc, il est pas très cher. Il est un peu cher, par contre. Hein. Bon, je pense qu'elle va pas trop s'en apercevoir. Donc, et voilà. Donc, j'ai aussi pris une petite coque. Mais en fait, j'ai cliqué 21 fois, alors je sais pas si ça va... Ça va me donner en fait plein de coques. Je sais pas. Voilà. Donc voilà, je viens de commander l'iPhone X. Donc je vais le recevoir peut-être bientôt. Voilà. Donc voilà. Bon, on l'ouvre. Donc il y a du scotch. C'est bien ancien. On a enlevé le scotch et on va voir ce qu'il y a dedans. Et ben c'était un prank. Donc en fait, il y en a qui ont dit c'était un prank, il y en a qui ont dit qu'ils ont cru, voilà. Donc maman, elle était derrière la caméra et tout. Donc tu dis maman coucou. Salut tout le monde. Donc oui, j'étais derrière la caméra. En fait, j'étais derrière. Et voilà, Luna a passé la commande avec mon accord. Enfin, elle a fait semblant de passer la commande. Et bien sûr, hein, elle ne l'a pas commandée. Hein. Elle peut toujours rêver, toujours courir pour avoir un iPhone X. Hein. Surtout à 8 ans, non, franchement, là, ça serait abusé. 10 ans ou... Non, même moi... 14 ans. Même moi, je m'achète pas d'iPhone X, donc on va pas abuser non plus. En plus, c'était trop cher. Et oui, c'était trop cher, 1 500 €, franchement, pour un téléphone. Non, merci. Après, si vous avez les moyens, si vous êtes des blindés et tout, ouais, ok. Mais là, non, franchement, ça sert à rien. Puis surtout, vu les commentaires que l'on s'est tapés après, ouais, du genre, vous servez à rien, ouais, des insultes envers Luna... insulter une gamine de 8 ans, franchement, c'est du grand n'importe quoi. Surtout que si vous aviez lu la barre d'infos, vous auriez su directement que c'était un prank. Mais bon, moi, on a vu qui lisait la barre d'infos, qui ne la lisait pas. Donc, comme ça, on sait ce qu'on mettra la prochaine fois comme vidéo. Oui. On va vous refaire des pranks et puis on verra si vous allez lire la barre d'infos ou pas. Et donc, maman, elle me surveillait du coup. Hein. Bah oui, j'ai surveillé du début à la fin. Et puis voilà, hein, après, pareil, il y a eu des insultes envers moi, comme quoi j'étais une mère qui servait à rien. Enfin, je vous épargne les insultes parce que ça a été vraiment très loin. Et je pense aussi que Tiffen, Loan et Kélia ont dû recevoir le même genre de commentaires. Oui. Mais par contre, oui, franchement, insulter comme ça une gamine, non, franchement, là, ça se fait pas. De toute façon, j'ai supprimé tous vos commentaires qui étaient méchants. Voilà, tous les commentaires qui étaient méchants et je ne les remettrai pas.